Collimateur, vous dénoncez la flambée des prix de l'énergie, c'est ma dernière question. Au premier trimestre, le mégawattheure en France était à 315 euros, alors qu'il était à 181 euros en Italie, 164 euros en Allemagne. Et pourtant, le coût de la production de l'électricité est le plus bas du continent, à 50 euros le mégawattheure. Alors, question, où passe l'argent? Notre modèle nucléaire devrait nous offrir l'énergie la moins chère d'Europe, non? Bah, vous dites tout à fait la vérité. Je passe ma vie dans les petites entreprises, les PME. Vous avez des factures qui ont augmenté parfois par 10, 20, quand ce n'est pas 30. La question, c'est, ils me disent, vous comprenez, on avait 2000 euros par mois, et maintenant je reçois 36 000 euros. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que l'ancien ministre préconise? Je préconise une décision politique du Parlement de plafonnement du montant du prix de l'énergie et, par voie de conséquence, la déconnexion du système de production d'électricité française du système de formation des prix européens, comme l'ont réussi l'Espagne et le Portugal. L'Espagne et le Portugal se sont mis à l'abri par des mécanismes souverainistes de très bonne aloi. Merci beaucoup, Arnaud Montebourg. Merci à vous. L'engagement, c'est votre livre hein, qui vient d'être édité en poche, chez Pluriel. Et bien entendu, vous y développez un certain nombre d'idées que vous avez déjà abordées au cours de cette émission. Merci beaucoup.